Dans les Alpes, entre Bourg-Saint-Maurice et la frontière italienne, un village de Savoie, le Miroir. Un village sans histoire jusqu'au jour où le maire et le conseil municipal... Mais n'anticipons pas, nous allons vivre 2 ans de la vie du Miroir. Le maire, Antoine Sesterin, 12 hectares de terre qu'il tient de ses parents, quelques vaches, des chèvres, une ferme au milieu du village. Il est veuf. Chaque jour, une voisine vient faire la cuisine et tenir la maison. On n'aurait pas assez de café pour la semaine. Et prenez donc aussi du sucre chez l'épicier quand vous irez à Bourg. Bon, vous n'avez plus besoin de moi? Non, non, merci. Alors, à demain. À demain, Françoise. Ah, Françoise, tu diras à ton grand-père que je me suis occupé de sa retraite. Ses papiers sont en règle. Merci, monsieur Sesterin. Antoine Sesterin a 3 fils. Henri, il est directeur de l'école de ski d'une station de sport d'hiver à quelques kilomètres du Miroir. François, il est moniteur de ski dans la même station que son frère. Il est officieusement fiancé avec Martine, fille de Maurice Lauzon, qui exploite une scierie au Miroir. Pierre, enfin. Depuis la mort de sa mère, il est pensionnaire dans un collège des environs où son oncle, l'abbé Bonnevie, est professeur. Et ce soir-là, précisément au collège... Arrête, on n'a pas, t'es pas l'idiot. Oui. Je m'excuse, mais il y a Sesterin qui vient de tout ficher en l'air dans la chambre. Il a balancé les draps et tout par la fenêtre. Encore Sesterin. Tiens, vous n'avez pas de pantoufles? Ben, il les a achetés avec le reste. Allez. Handel, les voilà. Vous dormez, Sesterin? Je somnole. Levez-vous. J'attends vos explications. C'est pas moi, c'est lui. Non, mais ça taisez-vous, Bocher. C'est ma guitare, je l'ai vendue ma guitare il y a 15 jours. Il est parti avec chez lui, il me l'a pas encore payé. Votre guitare? Oui, ma guitare. Malgré le règlement? Bien. Vous allez céder votre lit à Bocher et aller chercher ce que vous avez jeté par la fenêtre, compris? Vous coucherez sur ce matelas. Nous reparlerons tout ça demain matin. Je vous attendrai dans mon bureau à 10 heures. Savez-vous ce que votre cher neveu est en train de me démontrer? Que le fait de vendre une guitare n'est pas du commerce. J'ai jamais dit ça. Donc, je suis un menteur. De toute façon, on ne peut jamais discuter avec vous, alors. Pierre, tu vas présenter tes excuses à monsieur le supérieur. Et tout de suite. Je m'excuse. Ta conduite est inqualifiable. Et le désordre d'hier soir appelle une sanction sévère. Quelle qu'elle soit, je ne m'y opposerai pas, monsieur le supérieur, soyez-en sûr. Bien. Voyons, Sesterin, vous deviez quitter le collège ce soir pour rentrer chez vous. Oui, il doit assister demain à Tignes au mariage de son frère Henri. Permission supprimée. Et vous serez collé samedi après-midi. Voilà.
Alors, c'est demain le grand jour ? Eh oui. Pas de regrets ? Je voulais te dire, ma femme s'excuse, mais elle pourra pas venir demain, tu sais, le commerce. Pour une journée, là-bas. Ah, non, pas question, mon Dieu. Non. Mais ton fils, il viendra au moins. Oh, Robert, il devrait pas manquer ça pour un empire. T'as vu, dans le journal, sa photo ? Ah, oui. Il est sacrément doué pour le ski, hein, celui-là. Oui. Ah, peut-être qu'un jour, ça fera un vrai champion, là, avec des médailles et tout. Oui, mais il y a les études, mon Dieu. On sait jamais. Allez, à demain. À demain. Ah, merci. On vous a bien dit que je vais à la gare de Bourg-Saint-Maurice. Oui, madame. Ah, très bien, très bien. Ça, je le garde. Pardon, aussi. Attendez. Vous avez passé de bonnes vacances ? Ah oui, formidable. Ah. Là, c'est un temps merveilleux. Ah ! Vive la mariée ! C'est le directeur de l'école de ski, vous devez le connaître. Hein ? Non. Ah, quand je dis le directeur, je devrais dire l'ancien directeur parce qu'il s'en va demain. Il se marie et il s'en va. Ah, c'était sa fiancée qui était avec lui, une Canadienne. Et ils vont au Canada ? Non, il va s'installer au Minuit pour s'occuper de Val Thorens. Val Thorens, qu'est-ce que c'est ? Ah, ça va être une super station, comme on dit. Ah oui, de nos jours, tout est super. Super carburant, super station, est-ce que je sais, ouais. Super marché. Ah, qu'est-ce qu'il a celui-là? Non, mais regardez-moi ça! Superman! Vous repartez pour Paris? Oui, oui. Ah, c'est mon frère qui habite à Paris. Moi, j'ai préféré rester dans la vallée. Avec ma femme, on s'est dit, pour le petit, faut aller à Bourg-Saint-Maurice pour ses études. Alors, on a ouvert un café, et c'est d'ailleurs ma femme qui le tient. Et puis moi, je fais le taxi. Voilà. Salut Flandin. Oh, salut Antoine. Tiens, j'ai vu ton fils avec sa fiancée tout à l'heure. Où ça? Bah, Tim. Alors, tu vas t'acheter une cravate neuve pour demain? Eh oui. Oh, oh, bah tiens, voilà Pierre. T'as pas le car? Non, j'ai fait du stop. Monsieur Flandin, bonjour Pierrot. Bien. Ça va. Bon, je vais t'acheter une chemise et une cravate. Dis Antoine, à quelle heure je viens vous chercher demain? Bah, 10h09. D'accord. Comment ça va au collège? Bon. Bien ou mal? Plutôt bien. Et c'est l'abbé! Eh Louis! Dis donc, j'en apprends de belles à ton sujet, moi. Mais ils ont pas le droit de m'empêcher d'aller au mariage d'Henri. Pas le droit, non mais tu l'entends. Oh. Pierre, tu vas me faire le plaisir de rentrer avec moi au collège, et immédiatement. Non, j'irai pas. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Dans un sens, il a pas tort. Sa place, c'est ton mariage d'Henri. Qu'on le punisse parce qu'il s'est mal conduit, moi j'ai rien contre. Mais de là, le bouclier de main, non, l'avait pas de main. Alors tu le défends, toi, maintenant? Non, je le défends mais pas. Mais si. Mais enfin, je pense qu'on aurait pu attendre 24 heures pour le punir. Mais enfin, Antoine, tu ne réfléchis pas. Et la discipline? La discipline, après. Le mariage est une fête de famille. Bon, je n'insiste pas. Mais puisqu'il en est ainsi, ne compte pas sur moi pour bénir les mariés. Tu feras dire la messe de mariage par qui tu voudras. Louis! Louis! Louis, je te préviens, si tu me fais un coup pareil, tu ne remettras jamais plus les pieds à la maison. Non! Je te l'ai pas dit parce que... Tu comprends? Oui. Moi, je comprends surtout que tu te conduis comme un gamin. Allez, viens. Tu sais que le mariage a lieu à 11h. C'est Flandin qui vous mène à Tigne? Oui, oui. Il vient nous chercher. Ah bon? Ben, salut! Salut, à tout à l'heure! Chez vous, faut que je repasse par la maison avant de prendre la route de Tignes. J'y
figure-toi que j'ai oublié le cadeau. Ah bah, te fais pas de soucis. Il y aura sans doute pas de mariage. Qu'est-ce que tu dis, pas de mariage? Mon beau-frère refuse de dire la messe. Mais pourquoi? Demande à Pierre. On va passer à la Syrie chercher vos hommes. Allô? Oui. Ah, bonjour, Martine. Oui, oui, on part tout de suite. Comment tu peux pas venir? Ah bah, ils vont être contents, les Sesterins. Et François? Tu y penses, à François? Tu n'as qu'à boucler ta valise et rentrer à la maison. Après tout, tu n'as pas besoin pour vivre d'aller travailler dans un hôtel. Allô? Allô? Elle a raccroché. Ta fille, je te jure. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a qu'elle sera pas au mariage. Parce que mademoiselle a du travail aujourd'hui. Elle prétend que ses patrons ne veulent pas la laisser sortir. Je pourrais y aller à sa place, moi, si vous voulez. À vous l'attendre, foutez-moi la paix. Et bouffez pas tout le sucre. Je garde la maison quand tout le monde s'amuse, et encore on me traite comme une rien du tout. Maurice ! Oui ? Alors ? Non, j'y réfléchis, par devant. Ah bon ? Va te faire prendre ma voiture, je te rejoins. Bon. Villard ! Il est pas là ? Là-bas ! Je vais au mariage. Il n'oubliera pas le chargement de bois à monter à la Rosière cet après-midi. D'accord. Vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Oui. Vous allez vous promettre fidélité. Est-ce pour toute votre vie? Oui. Oui. Dans le couple que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents? Oui. Oui. Nous l'acceptons. Nous l'acceptons. Donnez-vous la main. Vous allez échanger vos consentements. La prochaine fois, c'est toi qui seras au premier rang, avec ma fille. Si elle est libre ce jour-là. Jeannine, veux-tu être ma femme? Oui. Et toi, Henri, veux-tu être mon mari? Oui. Je te reçois comme époux et je me donne à toi. Je te reçois comme épouse et je me donne à toi. Désormais, vous êtes unis par Dieu dans le mariage. Si je comprends bien, tu es content de ton élève. Encore des progrès à faire. Ouais. Faut qu'il s'entraîne et sérieusement. Ah, dis, je fais que ça. Oui, mais toi, le ski te fait vivre. Tandis que lui, il a ses études. Et puis, d'un autre côté, mon vieux, c'est moi qui paye. Hein. Et cette année, il paraît qu'il faut changer les skis, les chaussures, enfin tout l'équipement. Ah bah justement, ça peut s'arranger. Comment? J'ai un ami qui travaille dans une maison de ski. Et je lui ai parlé de Robert. Ah, oui. C'est dommage. Ah oui, très volontiers, mais une larme. Hein. Oui. Merci. Dis-moi, oui. Tous ces gens qui mangent et qui boivent, ça va te coûter cher. T'inquiète pas. Mais non, Antoine, tout cela est gratuit, je te l'ai déjà dit. Le mariage d'Henri n'est qu'une opération publicitaire. C'est honteux. Pardon. Merci. Vous devriez remettre votre montre à l'heure, l'abbé. Vous retardez d'au moins deux générations. Mais tant pis. Il retarde pas tant que ça. Regarde, il a même changé sa soutane pour un costume. Mais la soutane ne m'a jamais gêné, moi. Même en montagne. Tout est déjà prêt? Vous partez quand pour les menuires? Ce soir. Oui, pas de voyage de noces. Henri doit commencer son programme tout de suite. Et moi, j'ai été engagée comme jardinière dans un village vacances. Venez voir.
Vous avez été gâtée. Eh oui. Ma petite Janine, je voulais vous dire... Je vous souhaite simplement d'être heureuse. Et toi, tâche d'être un bon mari pour elle, pour qu'elle ait toujours le sourire. Ça lui va bien. On a passé une bonne journée. Je regrette seulement que vos parents ne soient pas avec vous. Quand vous leur écrirez, dites-leur qu'ils sont toujours les bienvenus en Tarentaise. J'espère qu'ils n'auront pas honte des Sestins. Je ne vois pas pourquoi ils auraient honte. D'Henri, non. De ses frères non plus, mais moi, je suis un paysan. Vous voulez bien que je vous embrasse? Qu'est-ce qu'il y avait ici, il y a seulement une dizaine d'années? Rien. Et maintenant, ils ont su prendre le virage. Vous me direz, c'est pas eux, c'est des circonstances. N'empêche que tout le monde en a profité. En tout cas, la plupart. Oh! Alors les mariés, ils sont partis? Ils sont en train de faire leur bagage. Dis donc, sa superstation à Henri, là-bas. Il prévoit combien de lits? 30 à 40 000 au moins. Oh, dis donc, c'est quelque chose. Eh oui. C'est ce que je disais à l'abbé. On n'a pas été malin. Comment ça? Quand les gens de Chambéry sont venus nous voir au miroir il y a 2 ans, je sais bien qu'avec la maladie de ta femme, tu n'avais pas la tête à discuter. Mais que veux-tu, Antoine? Quand on est maire de la commune, on a des responsabilités. Tu vas me donner des leçons maintenant? Non, non, je te donne pas de leçons. Mais à voir ce que c'est devenu ici et ailleurs, je dis qu'on a eu tort, qu'on aurait dû bouger, quoi, faire quelque chose. Oui, et transformer ce village de Savoie en bazar pour touristes. Oh, bazar, bazar! Mais oui, parfaitement. Et je prétends que non seulement votre soi-disant virage est contestable sur le plan moral, mais qu'en plus vous n'avez pas les épaules pour mener à bien une pareille opération. Je ne veux pas qu'Antoine engage le village dans une aventure où nous avons plus à perdre qu'à gagner. Oh, je veux pas qu'Antoine... Antoine, il fait ce qu'il veut. Je viens pas te donner des conseils chez toi, non? Alors viens pas me donner des conseils. Bon, bon, vous ferez ce que vous voudrez. En tout cas, je vous aurais prévenu. Alors là, tu l'as mouché. Ah, faut bien de temps en temps. C'est un brave homme. J'ai de l'estime pour lui. Peut-être. Mais on ne me tirera pas de l'idée que si on avait implanté une station au miroir, les gens ne vivraient pas de 4 ou 5 vaches et de récoltes qui ne rapportent pas 3 fois la semence. Pourquoi on part déjà? Je te rappelle que tu ne devrais pas être ici. D'ailleurs, en arrivant au collège, il va falloir rendre les comptes. Oui, plus j'y pense et plus ce mariage... Tu sais ce qui t'arrivera à force de râler? Tu auras un ulcère à l'estomac. Les journalistes, les photographes, les touristes. Et ton père qui trouve ça très bien. Ah, si ta pauvre mère nous voit de là-haut. À propos, est-ce que tu as pensé à elle aujourd'hui? Non, évidemment. Puisque tu veux tout savoir, avant de partir du miroir ce matin, j'étais au cimetière. Pierre? Voilà 2 ans, je crois, que vous êtes parmi nous, Sesterin. Oui. 2 années qui ne vous ont guère apporté de satisfaction, je suppose. Et nous non plus, d'ailleurs. Des résultats scolaires médiocres. Le refus d'une discipline traduisent clairement ce qui nous sépare. J'avais dans l'intention de vous renvoyer. Mais votre oncle, et c'est un bon avocat, a plaidé votre cause. Il a fait valoir que le renvoi d'un élève de terminale risquait de compromettre son avenir en le privant d'un succès au baccalauréat. Pensez-vous avoir une chance d'être reçu au baccalauréat? Je vois que vous ne vous faites pas d'illusions. Quoi qu'il en soit, et puisque l'abbé me le demande, vous resterez parmi nous. Naturellement, votre fugue méritant une sanction,
vous serez privé de sortie le samedi et le dimanche jusqu'aux vacances de Pâques. Ce qui vous permettra de préparer plus tranquillement votre examen. Alors, je ne pourrai pas rentrer chez moi, ni le samedi, ni le dimanche. Pas avant les vacances de Pâques. Et tu peux remercier monsieur le supérieur. Tu méritais la porte, mon garçon. C'est tout, Sesterin. Vous pouvez rejoindre vos camarades. Et soyez digne de notre confiance, si ce n'est pas trop vous demander. C'est nos os. Toute la nuit, j'ai repensé à la discussion d'hier. D'un côté, mes fils, j'ai pas à m'en faire. Une station de sport d'hiver chez nous, j'y ai pas tellement d'intérêt, seulement, voilà. Ouais, y a pas que tes fils. Ouais, y a ceux des autres. Toi, à ma place, tu n'hésiterais pas. Non, Antoine. Et tu crois que je suis capable de... Autant que n'importe qui. Écoute, je suis dans la force de l'âge. Moi, je me porte bien. Et au conseil municipal, des gars comme Tuilard, Goyet, sont des gars de bon sens. Par où d'autres sont passés, on est capable de passer, moi je te le dis. Et si t'accordes 2 sous de crédit à un homme qui a fait son chemin dans la vie, je te parle de moi. À la prochaine séance, tu mettras le projet au voie. Ah, tout de même. J'aurais dit ça à mon père, il m'aurait pas cru. Tranquille, ça. Une station de sport d'hiver au miroir. Dans la montagne, on a changé le décor, mais pas les hommes, mais pas les cœurs. Où sont-elles? Chantent les grands-mamans. Hiver d'antan, avec les nouveaux temps, c'est maintenant un toboggan tout blanc. Dans la montagne, on a changé le encore.